Alors cette vidéo me permet de tester au niveau du son. Alors c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, bon, j'ai mon haut-parleur externe qui est posé sur le tableau de bord, mais les micros de la caméra, eux, sont dirigés droit sur le poste, donc à l'opposé. Et là, l'XYL m'a trouvé quelque chose de pas très gros, alors que je le fasse glisser là, voilà. C'est vraiment tout fin. Le son sort par là aussi. J'ai mis une prise 2 en 1. Et ce qui va me permettre de voir ce que ça donne côté caméra. Écoute, ça me rabaisse pas le son du tout. Pourtant, c'est ce que je m'attendais. Permettre de voir, alors c'est 14 km 24-13. Ça va me permettre de voir ce que ça donne. J'ai pas entendu du SY du nord de France. Peut-être que sur la vidéo, quoique, pas si sûr. Ah.
ce que ça donne. Là, on a M. Les Américains sont pas là. Ou plutôt si, mais ça arrive pas jusqu'ici. Fabrice de Rémy, je suis sur la route du Pro, là je suis en train de partir sur du côté de Saint-Émilion. Et oui, ah, j'ai entendu quelqu'un derrière, la très QRP. Ouais, affirmatif, justement, je suis en train de faire des petits essais là dans le bush. Si ça ne te dérange pas, là je suis en train de faire une petite vidéo. Alors, pour t'expliquer, là dans le bush, j'ai rajouté la deuxième haut-parleur. Alors j'en ai un, le principal qui est sur le tableau de bord pour que j'entende bien, là, bien dirigé sur moi, agit trois coups. Mais vu que la caméra a des micros dirigés sur le poste, donc à l'opposé, j'en ai mis un deuxième minuscule de poser juste à côté en dessous. Quoi. Et là je suis en train de faire un test pour voir comment ça passe après au niveau son de dans la vidéo. La gounette, je dirais, ils font chier les mecs. c'est bizarre. On met les uns les autres, ainsi de suite, peu importe qui, mettent des choses en place, à disposition et tout. Et personne ne va en profiter pour dire qu'il n'y a rien. C'est comme tout à l'heure, j'ai vu un message là, sur le groupe Facebook. Il y en a qui, bien souvent, de temps en temps, qui se plaignent qu'il n'y a pas de propague. Quand elle est là, ça y est, ça se plaint parce qu'il y a du monde. Va comprendre la logique française, toi. Hachis trois coups. Ben oui, tout à fait. Ben, de toute façon, c'est comme ça. Hein. De toute façon, ça a toujours été comme ça, la radio. Hein. Ça a toujours été comme ça. Voilà, voilà. Bon, mais ok. Ben, oui, moi, après, je fais des petits tours, toi. Quand j'étais là, quand j'étais de l'autre côté, donc j'ai de temps en temps, moi, rappeler, moi, des fois, si j'entends encore, si des fois, il y a un peu le rayonnement de propagation qui traînerait, là, pour la France, là. Il y a beaucoup de pays étrangers, mais bon, on sait jamais, peut-être que des fois, il y a peut-être des petites ouvertures, là, affirmatif, parce que là tout à l'heure sur le 555 j'ai entendu une station de Cherbourg de ce côté là donc les départements français arrivent quand même à passer, mais bon, ça reste furtif. Ah tiens, j'ai entendu un autre OM appelé aussi là du département 24. Bon, c'était assez QRP là de mon côté. Bien le retour bip.
c'est soit de, je sais pas, de la M, de la FM, ou peut-être en Lima Sierra Bravo. Hein. Parce que j'entends un casulier derrière, mais bon, c'est pas audible. Il n'y a que le Roger Bip là qui vient passer. J'ai entendu aussi la balise. Hein. C'est comme c'est pareil. Zut, 14 km, 33. Oh zut. Gilles, voilà, qui est au sud de entre Libourne et Bordeaux. C'est pareil, il a partagé une vidéo. Il a une espèce de QRM, un truc bizarre. C'est. Je sais pas, j'ai pas compris ce que c'est, mais ça lui passe à fond. Hein. Stop. Ah, ça écrase. Ça écrase un petit peu. C'est vrai que ça écrase un petit peu quand même. Je t'entends bien, c'est correct, mais on sent que ça écrase un petit peu puisque c'est un poil, vraiment un petit poil nasillard par rapport à hier soir. Remarque, les conditions de mon côté sont pas les mêmes. C'est pas le même poste et tout ça, les conditions sont complètement différentes. Autant hier soir j'étais sur le Yazu au QRA avec un haut-parleur extérieur plus gros, ceci, cela. Autant là je suis dans le push sur le Lincoln 2, Lincoln 2 Plus, Hachi, avec haut-parleur plus petit posé sur le tableau de bord. Donc c'est pas du tout les mêmes conditions. Quoi. Mais autrement, oui, il y a un petit chouïa de nasillard derrière qui montre que ça compresse, que ça pousse, hein, ça pulse hein, derrière. Mais bon, pour quelqu'un qui est plus loin, parce que là je suis sur Saint-Émilion, là. Pour quelqu'un qui est plus loin, à mon avis, ça devrait le faire comme il faut. Hein. Ok. Bah, j'ai baissé un petit peu la modulation de la compression du poste. Voilà, ça devrait peut-être aller un petit peu mieux, là. Je l'ai baissé, on verra en retour, là. Voilà, donc, après, c'est quelques réglages, là. Le réglage entre la boîte et puis. Oui, ça pulse même. Ah oui, c'est. Mais bon, je t'entends très bien. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux un truc de qualité hi-fi, non, c'est pas encore ça. Voilà, il faudrait que je refasse refaire des essais depuis le QRA. Je pense que ça serait la meilleure solution, refaire des tests depuis le QRA. Parce que là, je suis pas du tout dans les mêmes conditions. Par contre, je suis en train de voir l'heure. Il va falloir que je passe QRT, que j'aille embaucher. Et le collègue m'a aperçu en plus. Voilà, je le vois, il est dehors en train de me regarder. Hachi, trois coups. Je vais te laisser les 2351 à toi. Merci pour ce petit QSO. A plus. Ok, mais y a pas de problème. Là. Je vais rentrer de toi. Merci du petit coucou. Là. Puis à plus tard sur les ondes. Là. Ok, merci, bye. Three sugar delta 1 2 4 3 sugar delta 1 2 4 south america calling on 3 sugar delta 1 2 4 south america calling on